Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Salut à tous, c'est Cyanure et bienvenue dans cette... Je suis tout excité dans ce premier épisode de Dishonored, the fuck! Donc Dishonored, ça fait un paquet de temps que j'en parle dans les jeux qui m'intéressaient cette année. J'étais absolument impressionné par la première vidéo de gameplay, présentation vraiment du jeu qu'ils ont faite. Et je me suis dit, oh, c'est un jeu trop bien, une espèce de FPS, infiltration, action, enfin je sais pas trop à quoi m'attendre. J'y ai pas encore joué, comme vous voyez, je viens de régler les options. Apparemment le jeu c'est plutôt bien foutu sur mon PC, il gère plutôt bien le truc. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien je vais déjà faire 4 vidéos. Les deux premières là je vais les tourner tout de suite. D'ailleurs je remercie au passage Nicolas Zer qui m'a fait la petite image que vous avez vue au début de la vidéo. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais faire 2 vidéos là qui suivent, donc les premières minutes du jeu hein, tout simplement. Je pense tourner une cinquantaine de minutes. Comme ça, je vous montrerai le début du jeu sans trop aller de l'avant et sans spoiler. J'en ferai une beaucoup plus loin dans le jeu quand j'aurai bien joué. J'en ferai une autre pour vous montrer peut-être la même mission mais d'une manière différente, qui sait. Donc la troisième et la quatrième vidéo surtout. Et si jamais vraiment ça vous plaît, il y aura qu'une vidéo par semaine pour l'instant. Si vraiment ça vous plaît, ça vous éclate, je sortirai un playthrough dessus. Quoi qu'il en soit, moi ce jeu, je vais le retourner dans tous les sens, je sens qu'il va être énorme. Et on va faire une nouvelle partie les amis. Donc allez, donc je suis Cyanure, si vous ne me connaissez pas, je fais des vidéos sur... parce que c'est possible, hein, imaginons, vous allez chercher des vidéos de Dishonored et vous êtes chez moi. Incroyable. Je fais des vidéos de Skyrim, enfin j'ai un peu arrêté en ce moment, de Mass Effect en ce moment, et de Minecraft principalement, et d'autres trucs quand je pète mon délire. Et voilà, bienvenue, vous êtes dans mes vidéos solo. Et allez, on va commencer. Alors, il y a 4 niveaux de difficulté, très difficile. Oh, ça c'est la tête de mon héros. Alors, l'histoire de Dishonored, elle va vous être présentée dans la première vidéo, mais je vous lis ce qu'il y a derrière le jeu. Donc on est dans la ville de Dunwall, donc c'est une ville à peu près à l'époque Londres, 18e siècle je pense, 19e peut-être, plutôt 19e, révolution industrielle. Sauf que c'est un monde un petit peu parallèle, vous allez voir qu'il y a quelques trucs qui sont un petit peu paranormaux, fantastiques. Et donc j'incarne Corvo Atano, donc qui est ce mec, et qui est garde du corps de l'impératrice. Et je n'en lis pas plus sur l'arrière de la boîte parce que je sens que je vais tout vous spoiler. Donc je pense que je vais jouer en normal, tout simplement. Régler la luminosité jusqu'à ce que le symbole le plus sombre soit à peine visible. Ouais, non, elle était comme... limite, je vais l'augmenter. Comme ça, vous y verrez quelque chose sur YouTube. Si vous créez une nouvelle partie, sauvegarde automatique, les distances sont écrasées. Il n'y a pas de sauvegarde distante, mec. Essaye pas de la jouer avec moi. Ouh, Dunwall Tower, donc voilà, Dunwall c'est la ville, et Dunwall Tower, si je me réfère au magazine, c'est un peu le truc de l'impératrice. Appuyez sur une touche pour continuer. Ah, lisons. Nous venons juste de rentrer d'un voyage de plusieurs mois dans l'Empire, donc vous voyez l'Empire quand même, ça fait... quoique aussi, il y avait l'Empire anglais. Dans le but d'obtenir du soutien de la part des autres nations dans la lutte contre l'épidémie de peste du rat. La peste au 18e siècle, 19e, ça n'existait plus trop quand même. Vous devez apporter leur réponse diplomatique à l'impératrice que vous servez en tant que protecteur. Et vous pouvez voir sur la gauche un bateau qui transporte. C'est une grosse baleine, j'ai l'impression. Corvo, j'aurais souhaité confier cette tâche à un autre. Ah, il n'y a pas de dialogue. Pour vous garder à nos côtés. Faudrait que je les mette. Mais je ne vois personne d'autre. Le maître espion a eu raison d'insister. Oh, Bethesda, oh bah attendez-vous à du bon les mecs. La peste a emporté tant de monde. Hein? Nous devons trouver un remède. Oui. Mon cœur n'est en paix qu'à vos côtés. Elle-même? C'est ma femme? Qui est-ce? Emily et moi compterons les jours jusqu'à votre retour. Revenez-nous vite, avec de bonnes nouvelles. J'arrive! Arkane Studio, c'est le studio qui a fait le jeu, il est pas très connu et apparemment ils sont français, donc c'est toujours bien. Le fleuve Renhaven. Renaven. Doucement. C'est bon. Attention. Ça a pas l'air de laguer, parfait. Bon, les graphismes sont pas top. Larguez tout. On ouais, peut y aller. C'est pas mal. Il y a un petit look cartoon, hein. Utilisez la souris pour regarder autour de vous. Emmenez-nous à Dunwall Tower. Lord Corvo a un message pour l'impératrice et nous venons de loin. Lord Corvo, oui, s'il vous plaît. Et avec de mauvaises nouvelles, les marins disent que nous sommes maudits de la magie noire. Magie noire. Superstition. Peut-être qu'il existe déjà un remède à la peste. Sûrement. Possible, on vit une drôle d'époque. Envoyer au loin le garde du corps de l'impératrice pendant des mois, ce n'est pas très commun. Oui, mais il le fallait. Il nous faut agir contre la peste.
Oui, donc j'ai appelé les autres nations à l'aide, hein, pour nous aider à vaincre la bête. J'aime ton flingue. Je veux le même. Donc vous voyez, pour l'instant, ça fait très révolution industrielle, même si il y a des bateaux un peu bizarres et des portes pas très habituelles. Hey, là-haut, on monte. Mais ça fait pas très révolution industrielle, par contre, devant. C'est bon. Ça fait triste. Ouverture des vannes. Et ça monte. Wow, classe. Une espèce de... hôtel. Enfin chez nous. Vous savez, les trucs dans les canals, là, écluses. Il n'y a pas grand monde qui peut rentrer. C'est tout ce qu'il y a d'eau. Stop tout. L'impératrice attend de vos nouvelles, quoi. Eh oui. Est-ce que je peux marcher, voir si le jeu lag? Yeah. Alors attendez, je mets sur pause. Je vais chercher les sous-titres pour vous quand même, parce que... les pauvres, vous pouvez rien entendre. Dialogues principaux, tous les dialogues. Allez, les dialogues principaux, si j'entends du bruit, genre si des gardes parlent et tout. Officier de la garde, F parler. Vous s'est bien passé? Oui. Enfin, je sais pas. Oh, j'avais le droit à ma banquette bleue. Corvo, elle attend. Rejoignez vite l'impératrice. Eh ben, putain, pour un jeu qui est tout récent, il tourne bien sur ce PC. Et je suis en train de faire une upload, hein. Je lag pas. Ah, la caméra oscille un peu. Va falloir vous y habituer. Hop, regardez à gauche, regardez à droite. Ok. Mode furtif. Bonjour, on va discuter parce que quand même c'est un jeu ambiance. Le voilà, tout va bien? Et j'adore les gens ambiance, vous savez, si vous avez vu une vidéo, vous revoir, protecteur. Oui, j'ai peu d'abonnés pour ceux qui découvrent cette vidéo. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner. Si vous aimez Dissodan, vous allez voir d'autres vidéos. Corvo, tu es de retour! Bonjour. Ouh, apparemment. Raconte-moi ton voyage! Dis, tu as vu des baleines? Je sais pas. Tu veux jouer à cache-cache? Je ferme les yeux et tu vas te cacher! Tu as le temps! Mère est occupée, elle parle avec ce vilain maître espion. Ah, c'est la fille de l'impératrice alors. Elle ressemble à Chloé Moretz. Je sais pas si vous voyez qui c'est que Hit Girl dans Kick-Ass. D'ailleurs, il paraît qu'elle a fait la voix de certains personnages. Désolé, Minnie, je dois aller voir ta mère. Allez, si tu veux. D'accord, allons-y. Je suis le gentil garde du corps de l'impératrice. Et je joue avec les filles. Appuyez sur l'image gauche en vous déplaçant. L'escalade. Un jour, je grimperai sur le toit. Un jour, tu grimperas. Hey, attends, Minnie. Attends, hey, wait, chantonne, ouais, ben chantonne, vas-y. Tu vas pas te cacher bien, là? Donc, ouais, vous voyez, ouais, le sprint, ça va, ça donne pas trop de souvenirs. Salut! Voyons si tu sais toujours jouer. Va te cacher, je ferme les yeux. Quand j'aurai fini de compter, j'irai te chercher. J'y vais, je compte jusqu'à 10. Trouve-toi une cachette. Ben, Oula. Appuyez sur C pour passer en mode furtif, puis restez à couvert pour éviter de vous faire repérer. Dans ce mode, vos bruits de pas sont réduits. On va te cacher. 1, 2, 3, attends, un petit 4, pas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, je peux sauter par-dessus le mur. Ah bah, il n'y avait pas 30 000 cachettes, gamine. Ta mère est là. Impératrice, j'ai sa vie. Je vais te trouver. Faux. On trouvera pas la gamine. Je suis trop bon. Là. Bon allez, je sais pas que je sais faire de jouer avec une gamine. Ah d'accord. Tu as gagné. Allons voir maintenant. Ah, j'ai gagné. J'ai même dit de me cacher sous le pont de pierre. les graphismes sont quand même pas moches. Hein. Cours avec moi. Cours avec moi. Et ça tourne bien sur mon PC. Purée, je suis content. Oh, je sens que je vais m'éclater sur ce jeu, bordel. Il y a une belle ambiance. Hein. Oh. Salut. Le maître espion est avec elle, mais... Ravi de vous revoir, protecteur. Salut. Ça va? Cessez de bouger, Campbell. Et vous, Corvo, bien le bonjour. S'il a un nom, c'est qu'il est important. Ou qu'il va mourir. On l'a envoyé dans les îles, quémander de l'aide. Une perte de temps. Mon élixir aura tôt fait d'éradiquer la peste. Cool. Bien, restez immobile un instant, votre éminence. C'est lui, c'est un médecin, lui, apparemment. Ce portrait ne ressemble pas trop à Campbell. Bah si. C'est plutôt casse. Bon, les graphismes sont pas top, je...
Anton Solokov, si tu as un nom, c'est que tu es important ou que tu vas mourir. C'était inutile, Corvo. La peste vient de l'intérieur. Le salut vient de la foi. Votre éminence, je vous prierai de garder la prose. Salut, ce personnage est occupé. Vous voyez que les personnages sont pas forcément beaux. J'aime bien les personnages où tout le monde n'est pas beau, tout gentil. Elle va vous recevoir. Parfait. J'ai de grandes nouvelles à lui annoncer. Vous pensez avoir votre propre équipe après ce qui s'est passé cette nuit ? En effet, je le pense. Impératrice. Il s'agit de malades, pas de criminels. Là n'est pas la question, votre majesté. Ils... Ce sont mes citoyens, et je ferai tout pour les sauver de la peste. Sans exception. Très bien. Nous ne parlerons plus de cela. Maman, Corvo est là. Merci, Émilie. Laissez-nous, je vous prie. Tout de suite, majesté. Maître espion, je ne sais pas pourquoi, Corvo. Je te sens pas. Quelle surprise. Vous avez deux jours d'avance. Rien de moins. C'est étonnant, hein. T'es chauve. T'as un nom, tu... Toi, c'est un mé... Soit t'es un méchant, soit tu vas mourir. Au choix. Impératrice Jessamine, bonjour. Votre comme il est bon de vous revoir ici. Pas magnifiquement gentil, hein. Quelles sont vos nouvelles? Je sais pas. J'espère qu'elles sont bonnes. Une lettre. J'espérais que cette maladie serait connue sur une autre île. Qu'il y avait un remède. Ah, merde. C'était mon dernier espoir. Je ne sais plus quoi faire. Les lâches. Ils déploient un blocus. Ils veulent attendre de voir si nous succomberons à la peste. Qui ? Qu'y a-t-il, mère ? Vous semblez triste. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je peux pas plus s'approcher que ça. Je vais bien. Mais où sont les gardes ? Qui les a congédiés ? Mère, là-bas, qu'est-ce qu'ils font sur le toit ? Quoi ? Émilie, viens ici. Wow, c'est qui ce type ? Si vous êtes équipé d'une arme ou d'un pouvoir, appuyez sur clic gauche pour attaquer de la main droite, clic gauche pour de la main gauche. Qui t'es, toi ? Viens derrière moi ! Maintenez CTRL gauche pour bloquer les coups d'épée. Si votre timing parfait, les quittes faire sens. Oh là là ! Un assassin ? Des assassins ? Attention ! Les clics sont inversés, j'aime pas. Qui t'es, toi ? What the fuck ? Je crois que je l'ai eu. Bravo, merci. Si vous n'aviez pas été là... Oh non, qui c'est ? Pas encore ! Qui... Non ! Hé ! Hey ! Qui t'es, le rouge ? Oh, maman ! Oh fuck ! Lâchez-moi ! Je... Mais putain ! Qui t'es, mec ? C'est qui ce type ? Corvo, tout est perdu. Trouvez Émilie. Ouais, j'aime bien la gamine. Vous êtes le seul. Vous saurez quoi faire, n'est-ce pas ? Corvo. Oui. Bonjour. C'est pas moi. Non, le chauve me fait pas ce coup-là. Le ciel, mais qu'avez-vous fait ? Mais c'est pas moi ! Il se téléporte ! C'est lui. Il a tué l'impératrice. C'est faux ! T'as pas de preuves ! Joue pas au con. Lady Emily, traître. Ah, son non. Propre garde du corps. Quelle ironie. Non, les mecs. Vie, Corvo. Emmenez-le. Fuck. J'y suis pour rien. J'ai été déshonoré. Oh, ça s'explique. Le bagne. Ah, ils m'ont pas tué, ceci. Shit, ça commence mal. Je me fais une amie. J'ai plein d'amis. Je suis respecté de tout le monde. Et il y a des mecs qui se téléportent et qui tuent l'impératrice et qui enlèvent sa fille, sa gentille petite fille. Chloé Moretz. Bon, bref. Fuck. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce temps de chargement est long. Et on peut voir ma souris sur l'écran, des fois. Pourquoi? Des fois, ma souris apparaît, des fois, non. Il y a un bug, non? Non, il n'y a pas l'air d'avoir de bug. C'était une séquence scriptée, donc si ça se trouve, c'était plus facile à charger avant. Allez, mon gars, je veux jouer, là. Il y a eu tellement d'action dans la première partie. Pourquoi je peux voir ma souris? Ça n'a pas de sens. Ah, je peux plus. Ah, si tu peux.
Bon, le jeu est sorti aujourd'hui, peut-être qu'il y a un peu de temps de chargement. Ok. Excusez-moi, mon jeu a crash quand il y a eu le premier temps de chargement pour le ban de Coldrit. Je sais pas à quoi c'est dû, peut-être à Fraps. Le jeu a pas l'air très très stable quand même. Il y aura peut-être des patchs. Il vient de sortir. Bon, j'y étais à... Corbeau. Signez les aveux et laissez-moi vous administrer les derniers sacrements. Non, pas la torture, bâtard. Non ! Mais putain, j'ai rien fait. Moi, je l'aimais bien, la gamine. C'était peut-être c'est mon amant pour l'instant. Sortez. Laissons-lui du temps pour réfléchir. T'appelles ça réfléchir ? Vous êtes en train de me torturer. Corvo, l'impératrice est morte. Sa fille Émilie est bien cachée et personne ne saura jamais la vérité. Si, je la sais, moi. Il y a des mecs. Oui, pas de chance. Dès demain, vous serez exécuté, mais c'est pour une bonne cause. Ce pays a besoin de dirigeants forts, capables de guider les faibles. Qu'est-ce que tu sous-entends ? Il a besoin de nous. Qu'est-ce que tu sous-entends ? Il n'y a rien de personnel dans tout ça. Même si vous avez presque fait échouer le plan. Mais tout s'est arrangé. Vous étiez au mauvais endroit. Connard ? Au mauvais moment. Et il nous fallait trouver un coupable. Connard ! C'est toi, hein ? Mathieu, Corvo. J'ai dit que t'étais un méchant, toi, je te pensais que tu valais mieux que ça. Ramenez-le à sa cellule. Non. Ah. De traître. Je connais la vérité, moi. Je vais vous faire. Mangez donc, Corvo. Ce repas vient d'un ami. Je parie que c'est empoisonné. J'y toucherai pas. En plus, il y a peut-être une ellipse. Ah, ça c'est ma barre de vie. Oh. Fuck. Comment une situation qui était bonne a pu partir en couille à ce point ? Il faut grimper sur le i. Non, je mangerai pas de votre merde. Fais-moi signe si tu veux encore parier sur les chiens. J'ai besoin de rien. Corvo, qui nous sommes n'a aucune importance. Sachez simplement que nous avons confiance en vous. Voici la clé de votre cellule. Lorsque vous serez dehors, dirigez-vous vers la salle d'interrogatoire de la prison. Prenez l'explosif qui se trouve et placez-le sur le portail du bagne. Quand la bombe sautera, courez vers la rivière en engouffrez-vous dans les égouts, vous y trouverez quelques pièces d'équipement utile. L'un des gardes de la prison laissera une arme juste à l'extérieur de votre cellule. Bonne chance, nous avons besoin de vous sains et saufs pour la tâche qui vous attend. Je sais pas qui t'es. Je sais pas ce que tu me veux. Mais on m'a trahi. Et la trahison, j'aime pas ça. I'm free. Beaucoup de petites bêtes ici. Elle est où l'arme ? D'accord. Ramassons tout ce qu'on peut. Alors attendez, sauvegarde rapide. Je peux ? Ouais, je l'ai fait. Mais mec, pourquoi je suis bien. Tout le monde veut venir voir l'exécution de demain. Il n'y aura pas d'exécution demain, mec, je suis parce que c'est celle de Corvo, le gars qui a tué l'impératrice et enlevé la. Bien joué, camarade. Fais-leur la peau. Ah, ça explique tout. C'est est-ce que c'est vraiment... Tu un garde pour moi, tu veux le protecteur, ce vas-y, fais tout cramer. Et dire qu'on nous reproche de parier sur les combats de chiens. Il y a peut-être un autre moyen de passer sans tuer les gars. Attention. L'accès à l'aile d'isolement est interdit aux équipes d'entretien, sauf accompagné par un officier de la garde. J'ai pas dit que j'essaierais de tuer personne, toute mais... escorte doit faire l'objet d'une demande préalable. J'ai pas dit que je ferais tout sans tuer personne, mais... Avec une épée à la main, appuyez sur clic gauche pour assassiner un ennemi sans méfiance ou approchez-vous de lui par derrière et maintenez CTRL gauche pour le neutraliser sans le tuer. On va essayer de pas tuer les gens, pas tuer les innocents. Et les gardes pour moi sont pas tellement des innocents pour l'instant, on sait jamais. L'approche furtive est non létale à ses avantages. Il y aura moins de rats et de chéniards, certains personnages réagiront de manière favorable, les conséquences de vos actes seront moins sombres. Je vais tenter de faire le jeu en n'étant pas trop sombre. Parce que je peux pas le voler. Hey ! Vous m'avez cherché, le mec. J'ai plus de vie. Oh, magnifique. Tu m'as cherché. Ah, je peux porter les gardes. Ah, d'accord. C'est très bien. Je suis free, les mecs. Je suis free. Je suis tout zou pété. Par contre, ma vie remonte pas. Ah, non. Oh, bon, je voulais pas trop tuer les mecs, mais... Ah, attendez, j'ai pas fini.
Attention. L'exécution de demain est réservée au personnel affecté à cet événement et aux dignitaires autorisés. Non, c'est pas possible de le faire sans tuer personne. Je pense pas. Pas la séquence d'intro. Moi, je joue de la corniche, j'appuie sur espace pour grimper. D'accord, si je suis en furtif, j'imagine que... Genre, je peux pas grimper, là. Ah, ouais. D'accord, je peux sauter, m'accrocher. Boîte de mixing dans ce mur. Attendez, je crois qu'il y a une touche pour l'inventaire. Yeah! Bon, objectif, je sais. Note, message anonyme. Ressources, des pièces, gadgets, épée, munitions, rien. Amélioration, rien. Ah ben, apparemment, ce que j'ai récupéré est pas important. Élixir de santé, R. D'accord. Boîte de rillettes de baleine. Il aime la baleine dans le coin. Ah! Va embêter quelqu'un d'autre. C'est un jeu où faut fouiller, hein. Je sais pas ce que c'est que ces deux trucs. Ça doit me redonner de la vie. Manière F, serrure. Oh, trop bien. Oh. Je l'ai vu, lui. Belle illusion parce que j'ai flippé. Moyen de se mettre à couvert. Ah, il y a moyen de pas de se mettre à couvert mais de se pencher. C'est une blague. D'accord, bon. Apparemment je peux sauter quand même assez haut. De demain est réservé au personnel affecté. Ah, il y avait un mec tout à l'heure. Et aux dignitaires autorisés. C'est vous êtes dans le coin. Je sais que vous êtes là. Pour voir l'initiation aux chutes assassines. Alors vous êtes au-dessus d'un ennemi, laissez-vous tomber sur lui et appuyez sur. Oh, si tu le vois, tu cries. Vous avez eu de la veine. Oh, c'est classe! Silence! C'est trop bien! Ah, mais il y a des trucs que je les avais pas fait. Oh, c'est trop bien! Sérieux, vous... En fait, j'adore les mouvements vachement fluides que je peux leur coller dans la tête. Par contre, les balles, on va les économiser parce qu'elles ont l'air de faire mal, mais... Mais pas assez pour être assez sûr. Attention. L'accès à l'aile d'isolement est interdit aux équipes d'entretien, sauf accompagné par un officier de la garde. Toute escorte doit faire l'objet d'une demande préalable une semaine à l'avance. Ouais, il y avait deux gardes. Bon, vous comprendrez que j'ai un petit peu du mal à avancer pour l'instant, hein, donc, je découvre carrément le jeu. Oh, j'en suis à combien de minutes de tournage, d'accord, c'est pas large. Ça va largement. D'accord. Je vais tous vous buter, hein. Vous m'avez trahi, les mecs. Les gardes, ils sont un peu pour rien. En fait, je crois que le jeu, là, je vais le faire en mode comme je veux. Et donc, les vidéos qui suivront aussi. Et j'essaierai de le faire en non-violent, dans un playthrough. Ou en très violent, au contraire. Mais plutôt non-violent, ça me plaît pas. Y'a pas un moyen de regarder au-dessus. Ah. Attention. L'exécution de demain est réservée au personnel affecté à cet événement et aux dignitaires autorisés. L'exécution de demain. Et ben regardez ce que j'en fais de votre exécution de demain. Je vous pisse dessus. Un marteau. Je sais pas ce qu'il faisait, mais il devait être vachement méchant.